Bonjour. Merci pour vos beaux cadeaux. Quand on ne parle de bataille spirituelle, je vais remercier les gens qui m'ont donné des cadeaux. Je remarque que beaucoup d'entre vous, vous voulez qu'ils boivent. C'est bien, hein? Il y en a un qui m'a donné ça. Du cognac. Merci. Une autre m'a apporté ça. Elle s'appelle Singleton. Elle dit qu'elle a vu ça, elle a pensé à Simpleton. Merci. Et il y en a un qui m'a apporté ça. Merci beaucoup, la reine Ono. Elle m'a apporté du Sheridan. Donc, merci. Connaissez l'éternel, Monsieur Bi. Ça, c'est aussi notre reine qui m'a apporté ça. Donc, vous voulez que je saoule. Vous voulez que je grossisse aussi. Donc, merci pour les chocolats. J'en ai tellement dans mon bureau. Chaque fois que les gens viennent d'Europe, je ne sais pas pourquoi ils pensent toujours au chocolat. Merci beaucoup. Il m'apporte aussi des trucs de make-up. Donc, merci à la reine. Elle m'a apporté du Timité, des rouges à lèvres, Givenchy. Donc, je vous promets. Tu veux boire ça avec moi? Malène, tu veux saouler avec moi? Quand moi, je saoule là, c'est grave. Ah, le Sheridan est bon. Hein. Je vais goûter ça qu'aujourd'hui. Voilà, les make-up, alors c'est grave. Je vais les. Comme on dit toujours, quand tu sèmes dans la vie des gens, c'est bien. Donc, apparemment, mes lèvres sont trop sèches pendant le direct parce que. On va prendre ça. Merci beaucoup. La reine Honorine, que ton travail que j'ai fait sur toi là marche. Que ton travail marche. Tout le monde qui s'est assis sur toi et des enfants, ton mari là, les détrône. Comme tu as pensé à moi pour m'apporter ces choses ici. Bon. Donc, j'ai apporté une montre. Je vous assure, elle a mon gardé au téléphone. Elle dit que c'est le téléphone pour mon enfant. J'ai même mis ça où. Elle m'a apporté un petit téléphone. Elle dit qu'elle a vu ma fille dans le direct un jour. Et que mon enfant lui plaît. Il faut que je. Ah. Donc, merci vraiment. Merci. Il y a aussi une reine, Sylviane, merci. On lui dit whisky. Je n'ai pas vos noms de famille, hein, à moins que vos déceptifs qu'on ne connaisse vos noms, vos prénoms comme ça là. Donc, merci pour l'huile que vous m'avez apportée. Merci. Vous êtes les buveurs. Vous voilà déjà qu'on va faire la fête avec toi. Wow. Que wow. Wow. Je suis à Douala là. Laissez-moi, j'enjoye d'abord mon Douala là, même une journée. Parce que vous connaissez. À midi, je vois les gens ici là. Oh, pardon. Donc, on va recommencer, on va sonner la cloche. Demain, la présence de nos ancêtres. Ils nous assistent. Maintenant que nous parlons ici, qu'ils guident. Qu'aucun mauvais esprit ne se perde dans ce direct. Qu'il ne tombe pas ici par hasard et commence. Qu'aucune étoile ne soit volée dans cette vidéo.
Je cherche quelque chose. Comme mon bureau est loin au fond et que les gens là sont là-bas du haut, est-ce qu'ils vont m'entendre? Amel Koulou, c'est pas n'importe qui me rencontre, donc je n'ai même pas besoin de pleurer. Et les gens qui me rencontrent comme ça là pour rien. Tu as compris, Amel? Pardon, donnez-moi de l'encens. M'a entendu. De l'encens. À brûler. Bon, j'ai des messages pour certains d'entre vous. C'est ça que je dois absolument mettre l'atmosphère. Dentiste des hôpitaux. Tu trouves comment tu trouves mes dents? Eh, monsieur le dentiste, tu apprécies mes lèvres. Comment je trouve mes dents? Beaucoup d'entre vous, vous subissez beaucoup de pression. Beaucoup de pression spirituelle et ce n'est même pas de votre faute. Vous devez comprendre dans quoi vous vous trouvez actuellement. Vous êtes dans une bataille spirituelle. Entre. Entre. Pourquoi vous prenez le nouveau? Regarde là-bas, là-bas, si c'est le long, là, si c'est... S'il y en a encore. Oui. Ouais, donne-moi un là-bas. Merci. Marlène, tu dis que tu me conseilles les embouteillages. Je serai sur la moto, tu serais dans la voiture. Je vais passer. Oui, oui, j'ai les allumettes, merci. Aurore Victoire, quand vous avez besoin de prière, vous devez savoir ce que vous demandez pour la prière. Tu veux quoi? Nien Bémalé, je serai sur la moto, je vais passer que Fion. Toi, tu seras dans la voiture, dans l'embouteillage, assise là, tu es en train d'attendre. Tu sais que les embouteillages de doigts là, quand ça commence, on ne veut pas savoir qui est sur la moto, non, on s'en fout. J'enlève tout mauvais esprit dans ce direct. J'enlève tout blocage dont vous avez été victime. Je chasse toute mauvaise onde. Je demande la restauration de votre âme. Que vous soyez ancré. Que toute personne ou toute chose qui a essayé de vous déstabiliser, de vous déraciner, soit abattue, soit détruite de votre vie à cet instant. Tout en ils ont prononcé votre nom. Ils ont fait des incantations. Ils ont attaché un talisman pour parler contre vous. Nous annulons le travail qu'ils ont fait sur vous, au nom de Jésus. Toute personne qui a bloqué vos pouvoirs, qui connaissait votre force de frappe, et qui vous a exploité, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes intouchable pour ces personnes. Personne qui avait un fil manipulateur sur vous. Vous savez qu'il y a des gens qui font des incantations, ils disent que tu vas toujours écouter leur voix. Et quand ils parlent, c'est eux que tu dois écouter. Si tu vas tout faire ce qu'eux, ils disent.
Je viens aussi contre toute faiblesse spirituelle. Vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à prier. Votre bouche n'arrive même pas à s'ouvrir. Je sais pas pourquoi, mais le mois de juin, si là, ça va être astral, mais il y a beaucoup d'attaques. Et ces attaques mentales, ce n'est pas que physiquement, genre, tu as éloigné tout le monde autour de toi. Tu contrôles, tu maîtrises. Maintenant, ça vient de l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des personnes. On me dit que c'est karmique aussi. Il y a votre ADN est en train de purger certains mauvais sorts ou certains effets du karma de vos vies précédentes. Et votre image aussi est ternie. Vous ne vous entretenez plus, vous vous négligez. Il y a des flèches qu'on lance comme ça. Chaque fois que tu as l'argent, tu prévois d'acheter quelque chose. L'argent a un problème, ça pue, ça. C'est pas, tu as un souci avec ça. Et tu te négliges. Il y a aussi l'image de vous qui est ternie. Donc l'image que tu as de toi, tu te méprises, tu te minimises, tu te négliges. Quand on parle même bien de toi, tu dis, ah, il y a même quoi sur moi? Ah, pardon. Ça va faire que certains d'entre vous, vous avez même vous pensez à repartir vers vos ex. Vous pensez à repartir vers le vomi que vous avez craché. Genre, il y a des relations que ça t'a pris du temps pour sortir de là totalement. Et te voilà aujourd'hui, tu reconsidères partir encore là-bas. Donc je viens vous fortifier, je fortifie votre esprit. Prenez votre doigt ici, là, vous mettez là. J'utilise votre doigt comme point de contact. Pour annuler toute attaque sur vous. Je restaure vos idées. Je restaure votre force. Je remets votre vision dans vous. Je remets votre vision. Nom de Jésus. Il y en a aussi vos dons, vos dons. Vous avez des dons spirituels qui vont s'activer. En fait, le fait que vous avez, maintenant que vous avez commencé le travail spirituel, que vous avez tous les problèmes ou l'adversité, c'est aussi parce que, Caroline, tu n'es pas la seule qui a des problèmes ici, tu as compris. Il y a beaucoup de vos dons qui sont en train d'être restaurés. Certains d'entre vous, vous êtes nés, vous avez toujours su qu'il y a quelque chose en vous. Et depuis un mois, tu commences à m'écouter. Tu commences à faire le travail spirituel, tu te laves avec le sel, tu as acheté les kits, tu fais. Et comme tu as commencé ça, tu es en train d'activer tes pouvoirs. Oui, Noël, c'est ça. Tu es en train d'activer tes pouvoirs. Et quand tes pouvoirs sont en train de... On appelle ça là une sorte d'upgrade. Tu vois, quand tu prends le téléphone, tu utilises après 3 ans, 4 ans, c'est vieux. Tu pars, on te donne un nouveau téléphone, on prend l'ancien. Elle s'appelle en anglais, on fait upgrade. Donc certains d'entre vous tentez de faire l'upgrade. Votre pouvoir spirituel est en train d'augmenter. Certains, vous allez carrément sentir comme votre pouvoir en fait, qui est caché à l'intérieur de vous, était dormant. C'était dormant. Et c'est en train de se réveiller. Des dons de prémonitoires, les rêves la nuit, même l'interprétation des rêves. Même le pouvoir de la parole, il y en a parmi vous, il suffisait seulement de dire quelque chose. Si tu maudis quelqu'un comme ça, la personne va avoir un problème dans les quelques jours. Ou bien si tu parles sur la vie de quelqu'un, ce que tu as dit se réalise. Donc vos pouvoirs sont en train de revenir.
Certains, vous êtes en train de recevoir la direction. Tu as peut-être commencé un business. Quand tu commençais, tu avais la foi. Tu savais que ouais, je fais comme ça. Et depuis quelque temps, tu es confuse. Ou tu es confus. Ça ne donne plus comme tu pensais que ça allait te donner. Et tu es en train de penser à faire marche arrière, à tout laisser. Mettez vos deux mains sur le... vos deux doigts sur les yeux. J'active votre don de vision. Je restaure vos yeux. Je déclare que tout ce qui vous a été volé comme pouvoir vous est restauré. Tout projet que Dieu vous a montré au départ, je le remets dans votre esprit. On attaque beaucoup votre vision. Hein, parce qu'on sait que si tu ne vois pas, tu ne fais pas, tu ne parles pas, tu ne, la vision provoque tout. La vision provoque l'action, la vision provoque la puissance, la vision provoque... Tu peux avoir la puissance tant qu'on ne te dit pas que tu as la puissance. Ça, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et là où il n'y a pas de vision, mais on peut... where there's no vision. Quand là où il n'y a pas de vision, je ne sais pas parce que la Bible dit par rapport à ça. Voilà, là où il n'y a pas de vision, mon peuple aura de la restriction. Donc, si tu n'as pas la vision, tu seras restreint. Et c'est ce qui se passe avec vous. Moi, je travaille seulement avec l'esprit subtil. Et... ma façon de travailler, ce n'est pas un truc que tu vas voir, tu vas dire waouh, c'est comme ça là. Non. C'est subtil, c'est très fin. Si tu ne fais pas attention, tu ne peux même pas te rendre compte. Purifiez beaucoup votre atmosphère, achetez les encens. Achetez les encens. Dès que vous vous réveillez, certains d'entre vous, c'est un ex. Un ex. Vous a fait beaucoup de mal. Et ces paroles vous ont beaucoup découragé. Aigle, ça veut dire que tu dois aller au village, non? Donc cette personne t'a beaucoup... ces paroles, en fait, ce texte-là était comme un envoyé du diable dans ta vie. Parce qu'il est venu, il t'a écrasé avec ses paroles. Et la façon dont il t'a traité, qu'elle est partie, c'est comme s'il avait un grand trou dans toi. Le Seigneur est en train de fermer l'attaque. Parce que je vous dis bien, certains de vos ex, ce sont des attaques spirituelles. Il y a des personnes qui sont envoyées dans votre vie pour vous détruire. Que le plan de la personne, quand il venait, les gens qui l'ont envoyé, c'était pour te détruire. Donc, tu es en train d'être délivré de... parce que tu avais les attaches d'âme avec l'homme là. Je ne sais pas, la femme là. Tu es en train d'être délivré de cette attache. Une attache d'âme, c'est quelque chose qui fait que tu restes, tu fais n'importe comment, tu penses à la personne. Il y a peut-être ton téléphone, un signe qui va te rappeler. Oui, il y a une heure, quand tu regardes l'heure, là, ça te rappelle la personne. Ou bien il y a... tu te débarrasses même de tout, hein, mais ça reste tout dans ton esprit, c'est bizarre. Écoutez, les attaques spirituelles sont réelles. Hein. Les attaques spirituelles, pas la blague. Je vous ai fait le post hier. Parce que moi, ça m'a trop choqué, l'histoire de la dame là. Elle me parle, ça fait peut-être 3 semaines.
Elle me voulait faire la formation de coach. Et d'ailleurs, dans la formation, elle me dit, elle fait d'abord son lavage. Recevez votre guérison. Il y a des gens que parmi vous entrez guéris. Vous entrez guéris. Tu vois, Juliette, tu as beaucoup de choses que tu vas apprendre. Comme tu as commencé le kit de fondation là. On parle. Elle dit que je ne sais pas pourquoi je sens que je suis bloquée. Toutes mes choses, elle me montre les choses qu'elle a commencé à faire. Elle dit que, mais elle dit, mais voilà, regarde, je ne sais pas. Avant-hier, on parle. Non, hier, j'étais en chemin pour. Parce que hier, j'ai beaucoup voyagé. Depuis 2 jours, j'ai fait trop de longs voyages. Donc, on était dans une ville. On a fait environ 10 heures de route. Le premier jour, on a fait 12 heures de route. Le deuxième, on a fait 10 heures de route. Donc, on était dans une des villes. Quand tu voyages, tu fais longue distance. Quand tu arrives dans une ville, tu as le réseau. Donc, je prends le réseau. Donc, je l'appelle. Elle me dit qu'après, tu as fait le lavage. J'ai vu. Bon, j'ai toujours su que mon mari me bloque. Parce que lui, quand il dit A, il dit B. Quand il dit rouge, il dit vert. Quand il dit. Donc, on ne s'entend jamais sur quelque chose. Donc, l'autre jour, quand elle dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle a touché son porte-monnaie. Un truc, un talisman, quelque chose emballé comme ça, là, est tombé. Donc, ça tombe. C'est ton mari, non? Vous êtes dans la même maison, non? Elle prend. Et, mais c'est quoi ça? Elle détache, elle détache, elle détache. Ceux qui sont là, partis chez les marabouts qui sont d'origine musulmane, là. Que eux là ils ne blaguent pas. Tu viens demander le bien, ils te donnent le bien. Tu demandes le mal, ils te donnent le mal. Donc, je n'ai pas dit qu'ils sont tous comme ça. Donc, je parle de parce qu'il y a une façon dont ils ont une façon d'écrire. Et la dame en question, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane. Donc, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui est écrit dessus. Elle filme donc, elle envoie ça à son oncle pour qu'il cherche la signification. Il demande que qui a écrit ça, que tu as vu ça où? Après avoir pris la traduction, il demande, tu as vu le tout là où? Tu as pris où? Elle dit, pourquoi? Il dit qu'il y a ton nom sur le papier. On a dit que tu ne vas jamais, que tout ce que tu fais ne va pas marcher. Elle pense à ça, ça me donne. Votre intuition ne vous ment pas. Souvent, tu restes avec un homme comme ça, là, tu. Parfois, il se comporte, tu sais, comme si c'est le démon. Après, on dit, non, c'est un mari, non. Son oncle lui dit que le truc, c'est là, le papier là. On a mis ton nom. On a dit que tout ce que tu fais, tu vas commencer, tu ne vas pas finir. Tu vas commencer. Donc, toutes tes choses ne vont jamais marcher. Je lui ai dit, mamie, c'est le Seigneur qui a même permis. Que tu vois. Comme ça, tu vas savoir que tu n'es pas folle. C'était parmi vous, vous avez des dons spirituels très avancés. Parfois, tu dors, tu rêves, la nuit, le Saint-Esprit te montre. Entre. Donc, c'est la montagne où ça là qu'elle veut manger. Précisément, un des plats que je dépose ici là pour moi. Ici. Voilà, mets la sauce ici. On coupe juste un peu, je vais couper. Voilà, merci. Je veux du thé, je peux faire ça. D'accord. Viens sur l'eau si tu mets à l'eau l'autre. Donne quoi? Ah, je vous apporte. Oui, tu apportes avec la tasse. Je vais faire ça ici alors. Vous dites que quand je suis restée comme ça, là, j'ai. Et 2 semaines avant ça, quand je parlais avec la femme, elle me disait qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait qu'elle est bloquée. Pour avoir les bains, le bain c'est 50 euros. Si je ne sais pas dans quel pays je te trouve. Tu convertis en France, ça fait 33 000. Envoyez-moi 33 800. Vous m'envoyez pour votre couvert de 30 000, un peu. 33 800. Voilà. On va avec mes frais de retrait.
Il y en a parmi vos personnes qui sont proches de vous, c'était la jalousie. Il y en a qui sont même manipulés par d'autres entités qui sont contre vous depuis longtemps. Il y en a que c'est leur belle famille. Pardon, c'est votre belle famille qui influence, bien sûr, votre femme peut-être. Et la femme parfaite te fait du mal. Il y en a, c'est. Il y a aussi une autre, non, j'ai fait le lavage l'autre jour. Ah, merci, Yann Farid, merci pour les proverbes. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, il y en a parmi vous-même. Il y a une dame l'autre jour, elle m'a dit qu'elle a fait. Elle est venue faire le bain des pieds ici. On a fait les bains. Le bain pour entrer dans le mois de juin. Elle a fait. Elle rentre chez elle. Et quand on a fait le bain ici, là, j'ai donné les prescriptions. J'ai dit que quand vous allez rentrer chez vous, bon, pour ceux qui se sentaient conduits de le faire, hein, et elle s'est sentie conduite, donc, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre. L'eau. Vous allez bénir l'eau. Vous allez mettre au centre du salon et de chaque pièce de votre maison. De elle rentre, elle dit à ses enfants que moi-même, je vais faire ça aujourd'hui. Elle vient de faire son bain elle avait fait son bain à Macapé. Elle rentre donc chez elle. Elle dit qu'elle va faire l'autre aussi. Elle verse l'eau au centre du pied de son salon. Elle lit le psaume 35, 91. Je suis à Macapé. Les bains se font à distance. Donc, tu envoies seulement ta photo, on fait ça à distance. Tu n'as pas besoin de venir ici. Elle versait pâle. Elle rentre, elle va se coucher, elle dort. Le matin, elle se réveille à 5 heures, elle dit qu'elle avait un client. Vous savez que quand tu fais tant que tu vas à ton compte, il n'y a pas d'heure. Elle dit qu'elle avait un client. Elle se réveille donc le matin, après elle se rendort. Elle dort à 5h30. Elle voit comment ses enfants sont en train de vouloir nettoyer le salon. Elle dit que non, laissez, c'est moi qui vais nettoyer ma maison aujourd'hui. Elle se lève et balaye, balaye. Pendant qu'elle est en train de balayer, elle voit les chaises du village dans son salon. Elle dit que mais ça fait quoi ici? Dès qu'elle touche le premier comme ça là, elle voit c'est un animal. Ça se transforme en un animal. L'animal fuit, sort. Dans le rêve, elle demande que l'animal aussi, ça fait quoi ici? On dit que c'est ta copine. Qui a mis ça ici depuis 2 ans? Ta meilleure amie. Elle balance encore, elle continue. Elle arrive devant, elle voit une autre, c'est la chèvre. Merci. Dans son salon, elle. Elle voit la chèvre là. Dès qu'elle balance, elle arrive à côté de l'animal. C'est comme la table ou c'est la chaise. Ça se transforme, ça devient la chèvre, ça sort encore de son salon. Elle dit que maman, ça sort d'où? On dit que c'est ton amie là, tata telle là qui est venue, elle a mis ça ici depuis 2 ans. Merci, bonne journée. Vous serez choqués de voir ce que les gens ont fait sur vous. Et ça qu'il y en a, vous ne pouvez même pas commenter ma vidéo parce que vous, tous vos gens-là, ils sont sur ma page. Donc, ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent vous dire. L'homme est méchant sur l'homme. Une autre encore, j'étais arrivée à Yaoundé, ça peut-être 1 mois et demi. Elle vient pour la consultation. Elle me dit que sa propre soeur, même père, même mère, de sang. Tu la prends, elle vit chez toi depuis qu'elle a 17 ans. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Tu t'occupes d'elle comme ton enfant. Après, elle commence à voir les problèmes avec son mari. Problème, problème. Il se sépare. Je ne sais pas comment. Et Dieu expose toujours les gens là. Elle tombe sur une vidéo de téléphone de sa soeur. Je ne sais pas comment elle est tombée sur la vidéo. Dans la vidéo, sa soeur est partie. C'est pour ça que vous ne devez pas amener. Ce n'est pas tout le monde que vous amenez chez moi. Si tu sais que tu es la bonne personne dans l'histoire et que c'est toi, on t'a toujours opprimé. N'amène pas tes gens chez moi. Déjà, ils connaissent quelqu'un qui va venir me demander de te faire du mal. Je ne fais pas. Je ne sauve pas les vies et pas encore tuer les gens. Elle avait amené sa petite soeur quelque part avant.
quoi dans la vidéo? Sa petite sœur était en train de travailler avec la personne chez qui elle avait envoyé au départ. Elle avait amené au départ. Elle voit le papier où sa petite sœur écrit son nom à elle, le nom de son mari. Elle a mis deux flèches qui partent comme ça là. Et dans la vidéo, elle parlait que tu vas te séparer avec lui. Écoutez bien, oh. Et c'est que quand moi, elle dit mes choses, vous dites tout que vous maîtrisez, non? Vous maîtrisez, non? Maîtrisez. Ici dehors, tu as couru, tu es parti te marier. Tu crois qu'elle est contente? Hmm? Tu as été parti au Canada? Hein? Hmm. Je crois que sur TikTok, il y a une dame qui a raconté une fois. Bonjour, Laura Merlot depuis Bougandéré. Bonjour, bonjour, Edwige. Bonjour, la reine Nina. Le lavage coûte 33 800 francs CFA. 800, c'est mes frais de retrait. Tu envoies ton nom et ta photo par WhatsApp. Voilà les numéros là-bas. Je vais faire le lavage des amis, les gens qui ont les enfants qui vont composer lundi, la mardi là. Merci. Dans l'avion, ils nous ont donné un petit riz comme ça là. Donc, là, je suis là. La nourriture de ma ménagère m'a manqué, vraiment. Elle m'a fait tellement contente. Elle a sauté sur moi. Merci beaucoup pour les bons appétits. Maintenant, vous êtes concentré que sur la nourriture que je mange. Et le truc, c'est que je veux que vous compreniez que les attaques que vous êtes en train de subir, vous êtes tellement puissants. Vous êtes tellement puissant que les gens-là ne peuvent pas vous mettre à terre. Écoutez-moi bien. Parce que depuis que vous êtes petit, ils ont... Si vous connaissez le nombre de choses qu'on a fait sur vous. Si vous avez parti vous coucher à l'hôpital, que pardon, internez-moi même pour 2 jours. Je ne peux pas croire qu'on est méchant comme ça sur moi. Vous guettez ma nourriture. Je suis chiche jusqu'à. Je suis pas moins chiche. Junior Tyson, je crois que tu t'es trompé de direct. C'est pas le bon direct pour toi. Tu as compris. Tu as compris, Junior. Ce que moi je dis, c'est pas pour tout le monde. Mes services, c'est pas pour tout le monde. Déjà que je suis tellement occupé. Je ne suis pas pour tout le monde. Donc si quelqu'un me tombe sur ma page, je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est que je ne suis pas pour lui. Il y a des personnes qui vous ont tellement touché. Tu commences un business. Tu commences un business. Dès que les gens connaissent que tu as ouvert un truc, ça tombe. Dès qu'on connaît que tu es en train de faire les papiers pour partir quelque part, ça tombe. Dès que donc... Et tu as toujours senti ça dans ton corps. C'est un peu genre, tu as un espoir qui commence. Après, ça tombe subitement. Et ça te fait mal. Valérie Tagne, Taganan.
des études menées par moi, à l'instant, ont montré que si tu ne vois pas la nourriture que quelqu'un mange et tu vois seulement sa bouche remuer, c'est que la nourriture ne peut pas te charmer, ça ne peut pas te charnir. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous charmez. Tu vois, ton passeport a disparu du bureau de l'immigration. Ouais, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Il y a les gens qui ne dorment pas. C'est vrai que tu vas te dire, moi je suis qui? Je suis qui? Qui est? Tu ne te connais pas. Yourself. Yourself. Je vais vous mélanger le patois avec l'anglais. Tu as fait les papiers 3 fois sans suite, non? On te donne le réseau, hein. Le réseau ouvert. Dès que toi, tu arrives, ton papier arrive sur ça. Le réseau meurt. Blocage plus, plus. Ouais, Seigneur. Dès que ton nom entre dans le réseau, là. Oh, le délégué a vu le... Oh, on a fermé la route, là. Quand j'ai compris que rien dans ma vie Remit n'a pas de frais de retrait, tu envoies juste la somme exacte, c'est tout. N'y a pas de problème, Caroline, quand tu es prêt, tu fais ton lavage. En passant, ceux qui sont observés sur ma page, ne commentez pas mes directs. Si vous voyez une tante que vous avez tout douté de l'honnêteté de cette dame par rapport à vous, ne faites pas que la personne sache que vous êtes ici. Sachez que si les gens là pouvaient vous mettre à terre, ils l'auraient déjà fait, mais ils ne peuvent pas. Embrasse-moi, tu veux la mutuelle. Me déconcentre, papa d'or. Le kit commerce au Cameroun, c'est 65 000. Oui. Bonjour la mère. Je suis en direct, j'arrive. J'arrive. Ok. Pour les enfants qui composent la semaine prochaine, je vais vous donner le. Je vais faire le lavage demain. Demain dimanche. Donc voilà la photo de l'enfant. Et une dame l'autre jour m'a fait le témoignage. Quand elle faisait le lavage, elle envoie la photo pour elle et pour ses deux enfants avec son mari. Je fais le lavage. La photo de sa première fille disparaît. Je dis, mais c'est pas possible ça. Ils sont les signes de blocage. Je force quand même 3 ou 4 jours plus tard quand elle fait les autres lavages, je fais pour cet enfant-là. Quand je fais, 2 jours après, elle revient me dit. Valérie Tagne, si tu sais quand tu es, on te voit sur la page. Je n'ai pas créé même une autre page Facebook pour suivre mes vidéos. Elle me dit donc que cette première fille en particulier, quand je faisais le lavage, sa photo avait disparu. Elle a mis son application pour être, pour que l'enfant soit transféré dans une autre
dans une autre école, comme ça elle peut être avec sa petite soeur. C'est comme ça, c'est plus facile pour elle qu'elle va aller chercher les deux enfants. Au lieu de partir chercher une personne, aller chercher tout là-bas. Et elle dit que ça avait été refusé. Refusé. Donc, elle avait fait appel au maire ou quoi, quoi, quoi. Elle dit que quand il fait le lavage de l'enfant, le lendemain, on l'appelle. On lui dit que, madame, votre dossier, c'est impossible même que ça passe et tout ça là. Donc, on appelle le lendemain du lavage. Le surlendemain du lavage, on donne accès. On dit qu'on a accepté. On a permis, on a donné l'accès à l'école de l'enfant. Alors qu'on avait refusé. Depuis déjà des mois qu'elle négociait, c'était catégoriquement non, non, non. Il y a encore une autre. Il fait son lavage l'autre jour. Elle cherchait, elle voulait. Vous savez, les gens qui sont en France qui demandent le logement là. Elle était sur une liste. On lui avait dit qu'il y avait 3 000 personnes dans la liste d'attente. Devant elle. On fait son lavage. La semaine là, son assistant lui l'appelle. Après le lavage, il lui dit, il y a 3 personnes dans le dossier ici. On est quitté de 3 000 à 3. Hier, elle m'a fait le voice. Elle était contente. Marraine, j'ai eu la maison. Oh, j'ai eu la maison, que Dieu te bénisse. Et elle m'a, franchement, elle m'a envoyé le message là. J'étais dans un moment où j'étais fatiguée. Il y a des jours où j'étais fatiguée. Son message est arrivé comme ça là. Rappelle-toi de ce comment tu as aidé les gens. Elle dit qu'enfin, je vais avoir la maison. Enfin, elle était contente. Mon assistant m'avait dit, mon assistant sur ça m'avait dit de ne même pas tenter de faire la demande parce qu'il y a trop de personnes dans ma région, c'est impossible. Wow, wow. Et ça m'a dit, ma chérie. Faut avoir ta foi. Maintenant, voici ma théorie. Si on est parti faire quelque chose pour te bloquer, pourquoi tu crois que tu vas rester à prier seulement? Je mets seulement un point d'interrogation dans ta tête. Si on est parti, on a donné 500 000 pour te bloquer. On a tué un bœuf pour te bloquer. On a tué la chèvre blanche ou rouge pour te bloquer. Pourquoi tu crois que tu vas rester à ta chambre, tu vas prier, ça va. Moi, je vous dis seulement. Après moi, je ne suis qu'une petite femme qui parle. Le lavage des enfants, c'est demain. Pour les examens, là. Bon, il y a aussi les kits d'examen qui sont disponibles. Bon, j'ai terminé. Tout ce que j'avais à dire, c'est là que j'ai donné, j'ai dit. Si tu l'as envoyé, c'est pour les lavages, je vous en prie, envoyez la photo, le nom, prénom de l'enfant, ou pour vous-même, et puis le paiement. Tu as compris, Mimi? Tu envoies le paiement aussi. Tu n'envoies pas l'argent, moi, je ne te considère pas. Tout, on parle à côté de moi avec l'argent. Il n'a pas envoyé l'argent, je le sais. Bonne journée. J'adore la main, ne le reçois pas. Ce n'est que le lavage que je prends demain. Le lavage des enfants. Pour les consultations, laissez-moi me reposer un peu. Mais voilà mon plat. Je suis en train de manger, ça vous. Hop. Tu veux la cuisse de poulet? Bye bye.